number one. C'est vraiment number one. Congo number one, c'est un. C'est pas deux, c'est un. Congo number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Félicitations Beleka na Congo number one. Tant on va number one toute cette terre, number toute terre. Number one. C'est ça, président Raboyi. Ils allaient rabouiller quoi? Ils allaient vraiment bouiller. Presse à Mboka. Ils vont aller à Congo number one. Mais internet, beaucoup de bêtes à Congo number one. T'es naturel, t'es number one. Tout le monde, t'es number one à tenir. Ils allaient à Congo number one. Congo number one, Walobi. Combo est la prophétie. Vous allez être number one dans la vie. Les 1-23 réclament les accords que le gouvernement a signés avec le CNDP sans procuration préalable du CNDP et que le gouvernement accepte de répondre à ces négociations. Ça signifie que CNDP signifie 1-23, 1-23 signifie CNDP. Okay, maintenant que le député dit que ces gens-là ne sont pas des Congolais, ça signifie qu'ils ont signé les accords avec qui? Les étrangers. Or, le ministre Remo Tshibanda, dans la première partie des négociations à Kampala, avait dit ceci, que le gouvernement avait respecté 80% des accords signés avec le CNDP. Ça signifie que ce gouvernement a intégré officiellement les étrangers dans la gestion de leurs institutions. Mais il faut faire la part des choses. Les Français sont clairs. Respecter 80% des accords ne veut pas dire qu'on a intégré XY. Non, mais dans ces accords, je cite, transformer le mouvement rebelle en parti politique. Ces partis politiques des étrangers exercent leur attribution politique au Congo. Or, le parti politique est national et non international ou régional. Ça signifie que nous avons un gouvernement qui a déjà vendu le Congo aux étrangers. Et ça, c'est le député national de la majorité qui l'affirme ici. Vous êtes témoin, peuple congolais. Non, non, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez évolué dans une déduction qui ne dépend que de vous-même et qui ne tourne que de votre tête. J'ai été clair. Donnez-moi les accords ont tourné entre le gouvernement et les mouvements. Vous avez dit que ce ne sont même pas des Congolais. Suivez-moi. Il y avait les accords entre le gouvernement et les groupes armés. Vous êtes protégé. Il y a des accords entre le gouvernement et les groupes armés. Ça s'est passé à l'intérieur du pays. Mais le Rwanda est venu tout simplement profiter de cela. Alors, je ne change pas. Je dis clairement. Non. Il faut qu'on soit clair et qu'on dise la vérité à la population. Je vous ai compris. Lorsque le Rwanda en a profité. Le Rwanda a trouvé tout simplement une petite porte. Il en a profité pour utiliser le bras qui était le M23. Et quand il a utilisé le M23, le M23 a semé la désolation pour permettre au Rwanda d'atteindre l'objectif. Puisque le Rwanda a un agenda caché. L'agenda caché, c'est lequel? C'est tout simplement prendre le trop-plein de chez lui, le ramener ici chez nous, exploiter les richesses de l'Est. C'est ça l'objectif. Maintenant, il suffisait tout simplement qu'on présente devant le public les articles de cet accord et qu'on évalue, qu'on voit. Après l'évaluation, on pouvait voir ce qu'il y a. C'est clair, monsieur. Alors, vous terminez votre... Voilà, il dit ceci. Dans 23, ce ne sont plus des Rwandais, ce sont des Congolais, mais c'est plutôt les Rwandais qui profitent derrière. Mais si nous avions un régime fort et capable de nous protéger, même si le Rwanda venait profiter, le Rwanda n'aurait pas fait tomber Goma. C'est encore une preuve que votre régime n'est pas capable de nous protéger. Mais pourquoi vous restez au pouvoir? J'évolue dans le débat, monsieur le journaliste. Voilà. Deuxièmement, si vous acceptez que l'M23 ou les rebelles ne sont pas des agresseurs, mais le ministre des Affaires étrangères n'a pas qualité d'aller trancher un problème entre Congolais. Le ministère des Affaires étrangères, c'est lorsqu'il s'agit des problèmes entre le Congo et les autres pays. Mais pourquoi vous n'avez pas chargé le ministre des Affaires étrangères et intérieures qui a qualité de gérer les questions internes? Là aussi, c'est un problème de science. Pourquoi vous avez divorcé avec la raison dans votre façon de gérer? C'est aussi un problème. Si c'est un problème entre Congolais, le ministre des Affaires étrangères vient faire quoi? Moi, je suis politologue. Écoutez, Fumutoto, retourne tout droit à l'université. Puisqu'il y a l'amalgame. Voilà, il me coupe la parole.
pourquoi il y a l'amalgame dans votre... Mais vous avez... Qui vous a donné la parole, monsieur le Où est-ce qu'on s'est retrouvé? C'est comme ça qu'on doit parler. Écoutez-moi, c'est comme ça que vous représentez au Parlement. Écoutez, voilà. L'évaluation vient de la réunion de CICERGEL. C'est là l'implication. Donnez-vous la parole, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste, tout le monde est... Ce sont les présidents... Le député a fait de ses échecs. Je ne vais pas me laisser prendre... Vous n'allez pas amener l'amalgame sur le plateau de Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Il n'y a pas l'amalgame. Qui dérange? C'est moi? Non. Je suis dans l'intervention. Je vous précise. J'explique pourquoi... Non, mais vous n'avez pas la parole, monsieur le député. Donnez-lui même pas. Vous avez encore 30 secondes pour manger. S'il n'y avait pas la réunion qui s'est passée de CIRGEL avec les différents chefs d'État, ce sont les différents chefs d'État qui ont demandé à ce que le gouvernement puisse voir, évaluer les accords qui s'est passé le 23 mars. C'est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères s'est impliqué dans l'affaire. Vous terminez ça, vous voulez condamner pourquoi le ministre s'est retrouvé. Je peux terminer, je peux parler. Non, mais ne continuez pas avec l'amalgame. Merci. Soyez précis et scientifique. Voilà ce que je veux dire. Il n'y a pas d'amalgame. Il y a une grande différence en science entre le bon sens et la science. Moi, je parle dans le jargon politologique. On est allé évaluer les accords qu'on a signés avec les rebelles. Lorsqu'il y a un problème interne, le ministre d'Affaires étrangères n'a pas qualité de gérer ses opérations. Et cela est démontré au regard de toutes les pratiques politiques du monde entier. Je vous fais plutôt remarquer que vous ne respectez jamais même les normes réelles de l'État. Ça, c'est déjà dit. Alors que celles que vous avez inventées ne sont pas les plus. Maintenant, revenons au débat. Le M23 est une rébellion. La rébellion, c'est quoi? C'est un esprit qui veut renverser l'ordre en place. Et le gouvernement a tout le moyen de l'État pour maintenir la rébellion. Mais si aujourd'hui le M23 arrive à changer les catalogues, les calendriers, je ne sais pas, l'agenda, comme vous voulez, parce que le M23 sait que nous n'avons pas une armée capable de tenir devant les revendications ou les avancées des rebelles. Et surtout que... Je vais vous dire la solution, c'est très simple. Qu'est-ce qui empêche à M. Kabila de rencontrer Tshisekedi et que lors de leur entretien, ils nous disent ce que nous devons faire? Pourquoi ils étaient en train de Pourquoi seulement rencontrer Tshisekedi? Mais le problème électoral ne se pose pas entre Fumutoto et Joseph Kabila. C'est entre Tshisekedi et Joseph Kabila. Et si tous ceux sont des Congolais, ils peuvent se rencontrer et nous épargner de beaucoup de bêtises. Pourquoi il doit contourner la réalité pour venir aujourd'hui dire que la préoccupation maintenant c'est négocier avec les rebelles alors que les élections se sont mal déroulées? Mais on a l'opposition est représentée à la par rapport à la CENI. Par rapport à la CENI. Est-ce que vous pouvez comprendre? Il y a élection dans les bas Congo entre les gens de la majorité eux-mêmes. Ils ne sont pas contents de ces élections entre eux. Et vous voulez que nous puissions apprécier, nous, la CENI? Cette CENI politisée à outrance. Ah voilà, c'est bien dit. Ok, on arrête par là alors. Madame Ernestine, il faut réagir, vous êtes du pouvoir. Pour Fumutoto, une des premières solutions serait la rencontre du pouvoir, donc du président Kabila, avec l'opposant historique de la RDC, Étienne Tshisekedi. À part cette solution, il y a d'autres pistes de solution? Je crois, Mathieu, il y a de l'amalgame dans ce que Fumutoto est en train de dire. Souvenez-vous, au lendemain du dialogue intercongolais, M. Tshisekedi, l'UDPS, était parmi les composantes qui devaient occuper le poste 1+4. Mais dans toute cette turbulence des négociations, M. Tshisekedi ne s'était pas retrouvé. Et M. Tshisekedi, pendant tout le processus du mandat 2006, M. Tshisekedi a continué à réclamer ce poste. Quel poste? C'est que d'occuper le poste en tant que composante de l'opposition non armée. Tshisekedi a continué à revendiquer ce poste. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on est en démocratie. Le principe, c'est la majorité gagne, la minorité perd. La majorité qui a gagné, c'est celle-là qui a gagné les élections. La majorité dirige. Ça, c'est une parenthèse sur l'UDPS et sur le président Étienne Tshisekedi Mulumba. Parce qu'il ne s'agit que d'une parenthèse. Il y a autant de Congolais, il y a autant de composantes politiques dans ces pays qui réclament. Pourquoi vous ne nous demandez pas d'aller négocier aussi avec Martin Fayoulou, par exemple? Je ne cite que celui-là. Pourquoi doit-on cristalliser, canaliser toutes les énergies sur une seule personne? Pourquoi?
dans le pays, il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'alors une vraie solution ne serait pas ces dialogues intercongolais? Je suis en train d'aller vers la solution. Je rentre encore au dialogue intercongolais. Nous avons eu parmi les mouvements rebelles, l'un des mouvements rebelles, transformé en parti politique, le RCD. Comme le CNDP aussi transformé en parti politique. Justement, j'y vais. Donne-moi le temps. Le RCD, quelques dissidents se sont transformés en CNDP. Quelques dissidents du CNDP se sont transformés en M23. Et aujourd'hui, lorsque vous suivez la situation de l'Est, vous allez vous rendre compte que le Rwanda, quand le M23 finalement a accepté le principe de se retirer un peu de Goma, on a vu le prétexte habituel du Rwanda, le FDLR. Ces jours-là, au retrait du M23, le Rwanda a réclamé que le FDLR soit... Oui, ils ont fait une incursion au Rwanda et qu'ils ont attaqué. Il y aurait eu des morts. Voilà. Exact. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, ils sont en train de réclamer qu'il y a dans deux autres localités là au nord Kivu. Oui, Moudja et quelque chose comme ça. Bon, je n'ai pas bien retenu le nom. Mais le Rwanda est en train de réclamer qu'il y a une réorganisation des FDLR au niveau de ces deux localités pour venir encore déstabiliser chez eux. Alors que la MONUSCO qui est ensemble avec nous, même a confirmé qu'il s'agit tout à fait d'un prétexte. Rien n'a été prouvé. En fait, le problème... C'est là que je voudrais conclure. Le problème réside au fait que le gouvernement l'a déjà réclamé, le président l'a déjà réclamé. Il s'agit du Rwanda qui est en train d'armer les autres. Piste de solution, madame. Rwanda, avant de conclure. Le Rwanda nous maltraite alors que nous avons un régime. Nous comptons rapidement. Vous avez parlé fond de le Rwanda a son agenda. La question du Rwanda, c'est le problème de l'Est. Et l'Est, c'est un problème économique. C'est un problème de minerais. Le Rwanda a besoin de toutes ses richesses. Évidemment, ce n'est pas le Rwanda seul. Et c'est normal, on doit les sécuriser si on ne les sécurise pas. Il n'y a, voilà. a pas que le Rwanda seul. Il y a au niveau de la communauté internationale, peut-être pas des pays précis, mais des multinationales qui sont intéressées par cette question des minéraux, dont tous les problèmes. Ah voilà. Alors, la société civile... Nous-mêmes, nous ne savons pas négocier avec ces forces. Non, je n'ai pas fini. La société civile. Madame Ernest, on va revenir à vous. Ok, il faut conclure. Au nom du gender, 30 secondes. Non, pas au nom du gender. Au nom de l'analyse politique que je suis en train de faire. Exact. Il y a un problème, c'est qu'à un moment, qu'on le veuille ou pas, les M23, nous les écoutons, à un moment, il faudra qu'on se mette ensemble avec le Rwanda, avec l'Ouganda, ça serait savoir, la vraie solution. Ça serait la vraie solution. Pour savoir quelle est leur vraie... Oui, pour savoir quel est leur vrai problème. Parce que ça fait quand même une décennie. Même Moussé, quand il est venu, ils ont fait la même chose. Lorsque Moussé s'est rendu compte que dans l'AFDEL, il y avait eu des troubadours, qu'il y a des gens qui étaient prêts à chercher de moi au peuple congolais. Un conglomérat des aventuriers, disait-il. Voilà, il leur a demandé. Mais ce sont ces aventuriers qui ont donné à Moussé. Et il a dit à cette époque que la guerre, que le Rwanda nous déclare là, quel serait l'homme de populaire. La faute, c'est pas le Rwanda. La solution est finalement de se retrouver avec le Rwanda et l'Ouganda autour d'une table. La société civile. Quel est le vrai problème? 2 minutes avant de conclure l'émission. Quelles seraient les vraies pistes des solutions? Je crois que vous êtes en train d'agir comme le gouvernement qui n'écoute que le langage de la violence. Tous ceux qui interviennent, ils interviennent, ils prennent la parole, vous me donnez 2 minutes, c'est parce que moi, je ne suis pas M23, tant mieux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Accusation gratuite et grave. Non, sincèrement, il faut prendre la parole de manière intempestive et ça s'accepte. Or, moi, je n'ai pas cette éducation. Non, c'est pas bien. Ok, donc, je voudrais simplement dire que... apaiser madame. Pour dire que il faut savoir restituer l'histoire. Je n'aime jamais parler des individus, mais lorsque l'opposition politique a choisi un vice-président, tu sais qu'il était en Afrique du Sud, et quand il est revenu, il n'a pas demandé quoi que ce soit, il a demandé à ses combattants de préparer les élections de 2006. Il n'a jamais demandé quoi que ce soit. Mais il me semble, madame, parce que vous êtes juriste, j'ai toujours apprécié vos prestations, il y a eu un problème dans ce pays. Un problème des élections. Et le président de la République, Kabila, a aussi accepté que les choses ne se sont pas déroulées comme il se doit.
Les observateurs nationaux et internationaux ont réédité la même vision. Et que cela ne changerait pas l'ordre d'arrivée aux élections. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. 650 comptassiers sur les 500 sièges jamais connus dans l'histoire de la République. 650. Et il est il est anormal, madame. Ça s'explique qu'il y avait plus de 18 000 candidats. Je me suis beaucoup, Mathieu. Mm-hmm. Je voudrais simplement baisser, madame, pour dire que dans la politique, il y a ce qu'on appelle le poids politique. Vous n'allez pas comparer Faoulou. Tu sais qu'il dit. Tu sais qu'il dit Haï. Si l'on considère ces élections douteuses, 32%. Et même ceux qui mais je sens que la troisième voie et la société civile, vous êtes du côté. J'ai restitué la vérité. Je voudrais simplement dire que même ceux qui ont crié avant les élections qu'ils étaient plus que lui, ils n'ont pas eu ça. Et si véritablement les choses devraient se passer comme on se doit, je crois qu'on aurait un autre résultat. Donc, aujourd'hui, madame, sincèrement, on est ridicule. Ridicule parce que le Rwanda, j'ai toujours dit 26 000 km², nous met à genoux. Voilà. Et nous avons intérêt à ce que notre leadership s'affirme. Et pour que s'affirme, il faudrait qu'il y ait une sorte d'attente. Et pour qu'il y ait une sorte d'entente, parce que les criminologues le disent bien, lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence. Mm-hmm. Les terrains deviennent fertiles, même des graines pourries peuvent germer. Et là, madame, on a intérêt. Il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le dialogue de la classe politique, où les deux poids lourds doivent se retrouver. On conclut par là. Les deux points lourds, c'est Kabila de la majorité et Tshisekedi de l'opposition. Et tous les opposants se reconnaissent à un leader naturel qui est ce monsieur-là. C'est très important. Et dès qu'on contourne cette réalité. Mais il n'y a pas il y a toujours pas un porte-parole. Je m'excuse beaucoup. Non, mais c'est pas un homme de porte-parole. On ne va pas s'élever comme un seul homme. Je m'excuse beaucoup. On ne va pas s'élever comme un seul. Nous avons besoin que notre peuple s'élève, que le Rwanda écoute. Et même les multinationales sont en train de profiter de la frustration, sont en train de profiter de la division de la classe politique. Il faut les mettre au mur. Il faut donner la possibilité à ce qu'ils disent. Les Congolais se sont... Une réaction de la majorité avant de parler, madame Nancy. Mathieu, pas plus tard que lors des... au début de l'année, le président a fait un discours à l'adresse de la population. Oui, à l'adresse de la nation. Je crois que le président s'est ouvert aujourd'hui à un dialogue. Jusqu'à là, non. Si le président a lancé le principe du dialogue dont les acteurs politiques discuteront sous le cadre comment est-ce que cela va se passer. Mais de prime abord, lorsque le président a lancé le principe du dialogue, l'UDPS était l'un des premiers partis à protester, à refuser ce dialogue. Non, non. Le dialogue autour de quoi? Non, Fumutoto. Madame, Fumutoto, faut pas dire n'importe quoi. Non, non. Le président de la République. Le dialogue autour de quoi? Le président de la République. Le cadre sera défini. On le cadre pas sera défini. Bah, comme ce n'est pas encore défini. Mm-hmm. Non, ce n'est pas encore défini. On va clore le président a dit que le cadre sera défini. Voilà. Et c'est ça qui est important. Ouais. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le président lance le principe du dialogue. Il dit que le cadre sera défini. Il n'a pas défini, plutôt, de prime abord ce cadre. On aurait dit que non, il a resté à nous de proposer les solutions. Il n'a pas voulu être notre composant. Il a dit que le cadre sera défini. Mais nous avions vu dans la classe politique, du côté opposition, une réaction qui ne s'est pas fait attendre. L'UDPS, je crois qu'a décliné directement. Merci à vous, madame. Merci, madame. Vous êtes juriste. Chris Pengoy, député national. Norbert Yambayamba, cadre de la société civile. Fumutoto, géniteur de la troisième voie. Je précise, vous êtes de l'opposition. Il n'est pas question de remettre en cause l'ordre constitutionnel et institutionnel de la RDC, déclare l'abbé Apollinaire Malou concernant les revendications du M23 qui demanderait l'impossible. À quel jeu joue le M23? Congo number one, c'est vraiment number one. Congo number one, c'est un, c'est pas deux, c'est un. Congo number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Bah félicitations Beleka na Congo number one, number one. Tant toi bah number one tout c'est beauté, number two c'est number one. C'est ça, président Kaboy. Ils allaient à Boué, quoi. Ils allaient vraiment Boué. Presse à Mboka. Ils vont à Congo number one. Mais internet, beaucoup de bêtes à Congo number one. T'es na tuni, t'es number one. Tout
que la maison a tenu et à la carte. Congo number one. Congo number one, Walobi, le combo de la prophétie. Vous allez avoir number one.